électorale, en dehors des campagnes électorales, comment est-ce qu'on agit et comment est-ce qu'on agit ensemble? Alors, tout d'abord, je m'excuse de ne pas venir, mais comme on est sur des lieux un peu excentrés, c'était compliqué dans le planning de la journée, mais je vous le dis parce que je trouve que c'est vraiment bien qu'il y ait les contraintes chaque année. Je pense que c'est extrêmement important pour notre parti. Et en plus, ça, à mon avis, quand même, a permis par le passé de faire que. On a développé des outils grâce à vous, en fait, les choses franchement, parce que la plupart des outils numériques sont peu ou moins maîtrisés. Et c'est vrai que je pense que ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on arrive à regagner du terrain, parce que je pense que pas mal de nos autres partis, en fait, nous ont encore rattrapés sur le sujet. Et c'est vrai que dans les campagnes électorales à venir, il faut qu'on arrive à mieux développer ces outils, mais je pense que plus généralement, le parti a un problème de communication. Vous l'avez déjà dit, ça c'est d'ailleurs, si je ne me trompe pas, l'objet un peu des discussions au moment du congrès. Et notamment sur la question du numérique, je pense qu'il faut qu'on se modernise, qu'on arrive à regagner de l'avance avec les moyens limités qui sont les nôtres, mais on a beaucoup de force militante, beaucoup d'inventivité, et c'est vrai que de ce côté-là, moi je pense que. Pour vous dire les choses de manière très simple, moi j'attends en fait moi aussi beaucoup de ce que vous avez travaillé, discuté, parce que je crois que, là je parle un peu de la direction du parti, mais on est plutôt à l'écoute de ce qu'il faut faire et de ce qu'on va construire, plutôt que de vous expliquer à vous comment on doit avancer, parce que je ne crois pas qu'on maîtrise tous évidemment. Les outils, et donc on n'envisage pas non plus vraiment ce que des outils actuels et que les numériques permettent de faire. Donc, de ce côté-là, moi je pense que ça serait bien si on mettait à profit les 4 mois qui viennent jusqu'à janvier pour justement avancer, et voir aussi qu'est-ce qu'on sera capable de proposer aux régions quand il y aura la campagne régionale, mais plus généralement, comment est-ce qu'on peut utiliser tout ce qui relève du numérique pour nos campagnes action. Parce que c'est vrai qu'on est encore, on travaille un peu de manière encore traditionnelle, à faire nos affiches, nos tracts et tout ça, mais que c'est peut-être pas du tout adapté à ce qui se passe aujourd'hui, notamment je pense en matière de vidéos et tout ça. Donc en gros, voilà ce que j'aimerais pouvoir vous dire. Et puis voilà, je ne sais pas, peut-être que c'est pas assez précis, Sandra. Oui, non, il y avait juste des questions qui se posaient sur la COP21. Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau de la direction, il y a déjà l'ambition de faire quelque chose de particulier en lien avec les associations ou pas, ou, est-ce que c'est déjà des questions qui sont en tête? Alors, absolument, c'est déjà des questions qui sont soulevées, mais qui ne sont pas du tout abouties. Je pense que là, ça va faire l'objet de plusieurs ateliers pendant les journées d'été et on va, à partir de là, à la rentrée, nous construire. Je pense qu'il y a différentes étapes. Il y a évidemment ce qui se passe au moment de la COP. Est-ce qu'on veut essaimer nos idées partout? Est-ce qu'on veut grandir? Est-ce qu'on veut vraiment aller devenir un grand parti ou pas? Donc, quelle est la stratégie de communication pour faire de l'écologie populaire? Parce que dans notre parti, il n'y a pas assez d'ouvriers, toute la France n'est pas représentée. Donc comment tu comptes, et je sais que tu as une bonne volonté pour faire ça, et d'ici le mois de janvier, est-ce qu'il y a une stratégie de communication pour faire l'écologie populaire? Merci. Alors là, c'est un gros challenge de répondre dans la minute qui te reste avant de repartir, mais tu as le droit de faire beaucoup plus succinct que ce que tu n'aurais fait en temps normal. Alors, ne vous méprenez pas, ce que j'ai dit, c'est que je pense qu'il faut vous remettre à profit les mois qui viennent, notamment avec ce que vous avez produit vous au sein des communes, pour voir comment on modernise l'ensemble des outils de com qu'on utilise. Et c'est pour ça que j'ai dit janvier, c'est pas. Fixé, c'est pas gros, ça peut donner une idée du timing dans lequel on est. Après, je pense que la question que vous posez de savoir comment est-ce qu'on. On essaie d'avoir
un lien plus fort sur nos propositions de développer plus et de faire mieux comprendre. Moi, je vous dis, l'essentiel, c'est qu'il faut absolument qu'on fasse plus de pédagogie sur nos propositions. Je crois qu'on a donné des bons exemples cette année avec le développement de livrets qu'on a mis en PDF, de petites explications, etc., etc. Et je crois qu'il faut continuer cela sur un nombre de discussions, de situations sur lesquelles les gens ne comprennent pas nos propositions ou les partagent mal. Et notamment, il faut qu'on arrive à avoir des outils écrits, mais aussi numériques, qu'on peut donner aux contre-cours, qu'on peut donner dans l'ensemble des structures du parti, pour justement développer les choses. Voilà une réponse succincte, certainement pas suffisante, mais voilà, je vous laisse parce que je vais rentrer en nouveau exécutif. Merci beaucoup à toi, en tout cas, Emma. Merci. Merci à vous, désolée de ne pas être venue. Et à très vite sur le site des journées de l'été.